Batterie hors jeu. J'ai eu ruine. Salut à tous les gamers, gros Lisette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, les amis. Et je vais vous présenter ma toute première game sur la map Icebreaker avec la GKS, ma toute première game également avec cette mitraillette qui est terriblement bonne. Pas beaucoup joué encore sur le multi, mais qui a son potentiel. Les amis, vous allez le comprendre. Alors, j'ai nommé cette vidéo « Le secret pour gagner vos duels », mais en réalité, on pourrait même appeler cette vidéo « S'améliorer sur Call of Duty », parce qu'il va être essentiellement question de deux choses. Un, les déplacements, qui font pour ma part la majorité d'un gameplay Call of Duty. Deux, l'intelligence de jeu. Trois, la réactivité et le shoot, bien entendu. Alors, parfois, les gens peuvent avoir, on va dire, l'un ou deux des trois. Il leur manque le troisième, notamment l'intelligence de jeu, quand challenge, etc. Je vais essayer justement de vous donner quelques astuces. En temps normal, je voulais vous faire un condensé de live parce qu'au fur et à mesure que je joue et que je découvre, je dis parfois, ben voilà, mes propres erreurs. Par exemple, oh, j'aurais jamais dû aller par là parce que je savais qu'ils étaient à deux ou à trois. Alors, ouais. Là, j'étais vraiment en train de découvrir. Regardez comment je découvre, les gars. C'est vraiment ma toute première game. En temps normal, je la montrerai pas en entière. Parce que cette année, j'ai décidé de faire un format beaucoup plus nerveux, jump cut. Vous voyez que les actions intenses et tout. Regardez, les gars, comment je rush. J'ai appuyé au tout début de la vidéo. Vous en êtes rendu compte? Les gens qui sont venus en live me voir, ils s'en sont rendu compte. J'appuie directement sur la touche du pad. Regardez la carte. Couloir central, couloir de droite, couloir de gauche. J'ai spawn ici, plus tard les ennemis vont spawn là où ce que j'ai spawn. Dans ma tête, c'est enregistré. Première astuce, c'est l'astuce que j'ai à te donner. Retiens les spawns. Retiens les spawns. Où tu as spawn, l'ennemi va spawn. Ok? Les déplacements vont se dérouler ainsi. Regarde le level design. Il y a un rez-de-chaussée. Il y a une sorte de plus 1 si tu veux sur cette map. Ou on va dire un moins 1, je sais pas. C'est comme tu veux. Hein. Il est quand même tard l'heure à laquelle je te fais cette vidéo. Tu m'en voudras pas. Et les sides de gauche et de droite. Et j'ai remarqué que notamment dans les modes comme la MMEC, voire FFA, que le side de gauche à partir de là où je suis est beaucoup plus, on va dire, fréquenté. Le side de droite est beaucoup fréquenté, notamment dans les games de Domi, également dans les games de points stratégiques. Et selon chaque mode, il va falloir que tu apprennes justement à bien te déplacer. Alors revenons-en maintenant à nos moutons. Grony. Pour gagner tes duels, c'est quoi que tu fais? Déjà les déplacements 1, obligatoire. Donc connaître les spawns, apprendre à bien bouger. On va dire, regardez aussi souvent un petit œil sur la minimap en haut à gauche. C'est tout con hein, comme astuce les gars, mais je vous jure que ça aide. Je vous jure que ça aide les potes. Vos alliés ils sont où? Regardez mes alliés ils sont où? Je sais que les ennemis seront là, devant moi. Regardez les alliés ils sont où? Je sais qu'il va y avoir des ennemis qui vont passer par là. Tout est question d'anticipation. Gagner un duel, c'est souvent aussi de l'anticipation. Et pour vous expliquer, on va dire au maximum cela, je suis parti en FFA. Et ça, c'est une astuce que j'ai à vous donner, les potes. Free for all, FFA, mais chacun pour soi. Mais les générales, tout simplement, les potes, allez faire un maximum de duels. Allez faire un maximum de gunfights. N'hésitez pas, les gars, à rentrer dedans. Vous allez peut-être pas les gagner au début. Vous allez commencer à faire de plus en plus de kills. Et puis, vous allez faire de plus en plus de kills, puis après, vous aurez l'avantage. Moi, il y a des FFA, les gars, je vais être honnête avec vous. Parfois, je prends l'ascendant en même pas une minute de jeu. 8, 9, 10 kills d'affilée. Le deuxième, il est derrière moi, mais voilà, c'est un truc de taré. Ben, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire. Vous allez apprendre les spawns en FFA, vous allez maximiser vos gunfights, vos duels. Alors, je vois beaucoup de gens qui vont arriver dans l'espace commentaire qui vont me dire « Grony, ouais, tu dis ça, mais il faut une côte du turfu pour pouvoir faire des kills, etc. » J'ai 120 mégas en download, les gars, et j'ai juste 7 en upload. Et ma PlayStation 4, elle en câblé, elle capte à peu près 4 mégas en upload. Ça veut dire en bande passante, c'est-à-dire que j'ai une co qui est correcte. J'ai une co qui est correcte, mes frérots. Vraiment, sans plus, sans abuser. Je sais qu'il y a des gens qui ont des meilleurs co que moi et qui touchent super bien et qui jouent super bien. Mais il y a des gens qui parfois ont de la mauvaise foi et qui n'ont pas justement cela. C'est-à-dire soit les déplacements, soit l'intelligence de jeu, soit la réactivité et le shoot. Alors la FFA, l'astuce du FFA, c'est pour augmenter ta réactivité, ton shoot et ton gunfight, c'est-à-dire le duel.
améliorer son shoot, les potes. Si vous voulez, je peux vous en faire une vidéo précise, que ce soit sur PC et sur console. D'ailleurs, à venir, mes débuts, les amis, sur PC. J'en suis sûr et certain que vous allez kiffer de taré. Vous allez kiffer, les gars. J'en suis sûr et certain. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Durant cette vidéo, en temps normal, c'était un live, hein. Je disais que je prenais du plaisir et que je me régalais de dingue. J'ai plus ces sensations depuis très longtemps sur Call of Duty. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon. Une autre astuce que j'ai à vous donner, hein. Gagnez vos duels, les potes, jouant en câblé. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Essayez très souvent de bien vous déplacer. N'allez pas faire des 1 contre 2, les gars, sur Black Ops 4. C'est un jeu qui demande pas mal d'échanges. C'est difficile de gagner des 1v2. J'en fais, moi. En FFA, vous allez fort, je fais des 1v2, des 1v3, même des 1v4 de temps en temps. En étant low, appliquez les réflexes que je vous ai dit, les gars, de vous heal régulièrement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais vous laisser, les potes, sur le visionnage, justement, de cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pensez aussi à anticiper lorsque vous arrivez certains près des adversaires. N'hésitez pas à jump shot. Alors ça, c'est vraiment une astuce, les gars, qu'il faut que vous appliquiez. N'hésitez pas à jump shot, les gars. Jump shot, c'est-à-dire de sauter en même temps que vous tirez. Et essayez de focus vos tirs, donc de concentrer la totalité de vos tirs au niveau du buste, de la gorge, mais également de la tête. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Même si la dernière balle, on va dire, de toutes vos chargeurs va dans la tête, vous aurez votre tir tête pour monter vos camos. Ça arrivera dans une autre vidéo. Là pour le moment, je joue tranquille, blackout, multi, un coup zombie, etc. C'était Grony, je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti, let's go les gars. Laissez-moi un énorme pouce bleu. La terre. Bravo à toi. J'étais en combien? 26. Ennemi mort. 26-2. Il y a moyen de faire la nuque en fait en FFA. Ajax neutralisé. TACOM, faites décoller un nid de tireur. Seraph éliminé. À vos positions. J'engage les hostilités. Ravitaillement. Premier arrivé, premier servi. Machine de guerre neutralisée. Gigoteur en mouvement. Batterie hors jeu. No comment. Juste un truc, les gars. Ça s'est passé sur twitch.tv/grony7. C'est ma première FFA sur la map de la bêta. Allez, c'est bon au bout d'un moment. J'ai fait une série de plus de 20. Pour discuter, les gars. Je vous propose qu'on en discute. Hein? Je me régale, les gars. Tout est dans le déplacement. Tout est dans le réflexe. Tout est dans la config. Tout est dans le shoot. Tout est dans la grony. On voit que ça veut rien dire ce que je vous raconte, hein. Ça veut rien dire, mais je me suis régalé de ouf, les potes. Je me suis régalé de dingue. Franchement, nice. Je kiffe cette FFA. Il m'a dit patron, Nivek, ça attire. Et je veux pas abuser du multi et tout, parce qu'au bout d'un moment, ça va me faire tilter. Alors, je vous disais, regardez, les gars, la map, 3 couloirs. Journée de boulot comme une autre. Et front, d'accord, c'est parfait. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que ça fréquente ici à droite ou à gauche? Elle a l'air géniale, la GKS, en vrai. J'adore les maps enneigées, les potes. Non, j'étais derrière le wall, copain. C'est ma toute première fois, les gars, sur cette map. Firebreak abattu. Tu vois, lui, par exemple, il écouterait un peu les astuces que je mets en vidéo. C'est-à-dire de se heal avant même de se mettre à couvert. Et il serait encore en vie, sûrement. Non, je déconne. Je l'aurais buté. Je l'aurais buté de sang-froid. Tu vois, les petites phrases comme ça, là. Le petit design avec de l'eau comme ça qui permet de passer sur le côté, c'est super intéressant aussi. J'aime bien ça. L'ennemi a détruit
pack d'assaut. Oh, mon tracking, il était nul. Ouais, après, n'oublie pas que c'est une SMG, Maclancieux. C'est pas une R, mon bro. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pas s'en plaindre, hein. Ne t'attends pas au résultat, en fait, d'une AR avec une SMG, mon cas. C'est ça qu'il faut se dire. Tu vois, il y a un mec derrière, moi, d'abord je me heal, on récupère les 150 HP, je sais que le mec il est ici, tu vois, je pense même qu'il m'a repé. Et je l'ai pas entendu arriver. Il est je l'ai carrément, mais kill steal comme on dit, KS, hein. La luminosité, les couleurs dans ce Black Ops, les gars, magnifique quoi. Ennemi tué. Une cible en moi. Voilà, parfait. Tu as fini pour lui. J'ai eu un hélicoptère d'attaque pour ma toute première game sur cette map. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. Déployer un missile. Ok, la quad feed. Grosse dédicace à tous ceux qui me soutiennent. D'ailleurs, break neutralisé. Ils sont dans le dos. Il y a encore un de moins. Drone disponible. Ravitaillement paré. Je me régale de taré, les frérots. Je t'enverrai la facture plus tard. Double élimination pour l'Elstorm. Je me régale. Venez vous servir. Je me régale! Mais c'est quoi cette map de fou, sérieux? Mais c'est quoi cette map de taré? Elle. Ouais, il est en train de casser sa manette! Je vous jure, les gars, vous l'entendez pas, il est en train de taper sa manette! Les gars, c'est quoi cette map? Mais c'est quoi cette folie? Ici, ruine, déployez un drone. 4400 DPS, les gars, 33-3, c'est du 11 de ratio, les gars. C'est une découverte de map, les gars, c'est ma toute première fois sur la map. Et ça s'est passé en live sur twitch.tv/grenny7. Je me régale, et c'est ma toute première fois, ou rajoute, allez, une toute première fois. Toute première fois, avec la GKS, les gars, sans aucun accessoire. On débloque quoi? Réflexe, poignée, poignée, ergo. J'ai pas besoin de tout ça. Donnez-le aux noobs, les gars. Donnez-moi une arme, donnez-moi un jeu. Laissez-moi vous croquer.